la technologie nous amène ce confort de pouvoir nous dégager du temps. Le temps, c'est la pièce maîtresse de nos structures, c'est toujours celui après lequel on court. À partir du moment où, grâce à la technique et à la technologie, quel que soit le process qui est utilisé, on arrive à se dégager un petit peu de temps, eh ben, on a gagné. Donc non, il ne faut pas avoir peur de la technologie. Il faut au contraire utiliser la technologie pour se valoriser, valoriser l'être humain et valoriser la compétence de l'être humain. Et qu'est-ce qui est essentiel dans notre travail ? C'est la compétence, c'est la qualité de la proposition finale que l'on fait à nos clients et c'est l'importance de la relation avec ce client. Alors certes, effectivement, la technologie, elle évolue, la technologie, elle est ici, la technologie, elle est à notre service, mais il faut toujours garder à l'esprit que tout outil technologique doit répondre à ces trois objectifs. Ben, il faut ensuite déterminer quel est l'outil opportun et quel est le cas d'usage qui va se trouver en face de cet outil opportun pour être certain que le développement d'un outil puisse répondre à un besoin. Et donc ce sont ces éléments-là, ces aspects techniques et technologiques dont il faut s'emparer pour les utiliser quand ils sont nécessaires à cette relation client et quand ils sont nécessaires à la bonne finalité de l'offre qu'on réalise auprès de nos clients. Cette intelligence artificielle telle qu'on la définit aujourd'hui dans les technologies, dans les nouvelles technologies, je suis convaincu qu'elle va être utile dès aujourd'hui, qu'elle va avoir une vraie utilité demain pour déjà peut-être soulager l'entreprise de diverses tâches qui aujourd'hui sont à la fois chronophages et sont pas tout à fait rentables. On a également tous les protocoles ou toutes les technologies, je pense au protocole de la blockchain par exemple. La blockchain, elle effraie certains, la blockchain, elle est souvent utilisée dans des discours médiatiques ou dans des discours provocateurs, comme étant un outil qui va faire disparaître l'existant, qui va faire disparaître toute l'organisation et toute la protection des tiers de confiance tels qu'on les vit aujourd'hui. Cette blockchain, c'est sûrement pas ça. C'est un protocole qui est très utile pour, là encore, nous détacher de certains actes ou de certaines contraintes. Donc utilisons ce protocole pour en faire quelque chose d'utile pour le citoyen et d'intéressant pour la profession. Il y a une possibilité aujourd'hui, par le dispositif blockchain et par le cryptage de la blockchain, de certifier, dans tout le long du processus, que le document est bien identique. Ben voilà un cas d'usage intéressant qui répond à un vrai besoin de sécurité juridique pour le notaire, pour la rédaction de son acte, et pour le client, pour être certain que quand on lui a délivré une pièce à un instant T, eh ben c'est bien cette même pièce qui va être annexée à son acte définitif. On a d'autres usages, par exemple, on peut penser à la délivrance des copies d'actes, les copies exécutoires notamment. Il y a peut-être une réflexion à mener sur la délivrance des copies exécutoires par ce procédé-là. Alors aujourd'hui, l'une des questions principales, et la donnée personnelle. On est dans nos études détenteurs d'un volume de données personnelles qui, à mon avis, pourrait nous être envié par bon nombre de personnes. Pourquoi ? Parce que nous avons évidemment l'état civil des clients, et puis nous avons leur patrimoine, la composition de leur patrimoine, les éléments de leur passif également, puisque quand les prêts se font sous acte notarié par une prise de garantie, ils se font chez nous. Donc on a ces éléments en notre possession. Cette donnée, elle appartient au notaire, évidemment, puisqu'elle est dans son étude. Il y a un jour où il faudra que les notaires aussi comprennent que cette donnée fait partie de leur entreprise. Et si elle fait partie de leur entreprise, au même titre que les plateformes web ou les GAFA exploitent leurs données personnelles, le notariat aura peut-être un intérêt aussi à comprendre que cette donnée, elle a une utilité. Une utilité pour l'acte authentique, hein, je ne suis pas en train de parler d'une utilité commerciale, une utilité pour l'élaboration de son acte et une utilité pour la compréhension, une meilleure compréhension de la société. Et aujourd'hui, dans cette relation client, parce que c'est de ça une nouvelle fois dont on parle, on doit utiliser des outils qui nous permettent un échange, une communication régulière, qui permettent de répondre à ce besoin de clients lié aux nouveaux usages de la société, qui est d'être tenu au courant en permanence, d'avoir des réponses rapides
voire instantané à ces questions, et notamment par une visibilité que le client peut avoir sur notre travail. D'ailleurs, il y a des acteurs autour du notariat qui proposent des plateformes pour justement répondre à ce besoin de la clientèle. Ces plateformes, elles ne sont pas nées d'idées farfelues. Ces plateformes, elles sont nées du besoin d'une clientèle et de la volonté des clients de pouvoir à la fois communiquer avec son notaire et pouvoir participer à son client. Moi, j'utilise une plateforme de relations clients qui me permet de me dégager dans les dossiers sur lesquels je l'utilise de tous les appels téléphoniques et les mails que le client nous fait. Pourquoi ? Parce que le client, il participe avec moi à son acte. Il voit le suivi de son dossier, il voit où en est son dossier. On communique régulièrement une partie par des messages automatisés, parce que quand vous recevez une pièce pour un dossier, il n'y a pas forcément besoin de prendre 5 minutes pour rédiger un courrier pour l'expliquer. Bah, grâce à ces plateformes, il a l'accès à cette visibilité et vous dégage tout le temps de la communication pour faire autre chose. Il est important aussi que le client comprenne les problématiques qui sont du côté du professionnel. Et ce n'est pas parce que le client a à sa disposition des outils qui vont lui permettre de simplifier, de faciliter, d'accélérer sa relation avec le professionnel que, par la force des choses, il est tout permis ou qu'il peut se permettre ou s'autoriser à obtenir ce qu'il veut du professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect technologique et de l'aspect relation client, on a autre chose qui commence à devenir essentielle dans nos pratiques, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité à la fois des dispositifs techniques, hein, évidemment, hein, puisque quand on utilise ce terme, on pense notamment à la possibilité de communiquer entre différentes plateformes techniques, mais l'interopérabilité également entre les professionnels. Il faut que les professionnels travaillent ensemble, il faut que les professionnels de tout secteur travaillent en bonne intelligence, dans le souci toujours de la relation client et du service rendu au client. Et donc je pense qu'aujourd'hui, notamment le fait que de nouvelles manières de communiquer avec sa clientèle arrivent dans les entreprises, bah de fait, ces nouvelles manières de communiquer, elles s'imposent à nous aussi pour communiquer de façon plus efficace et plus normale avec les autres professionnels du droit et du chiffre. Eh bien, cette nouvelle société avec ses nouvelles entreprises et ses nouveaux usages nous pousse à concevoir nos métiers un petit peu différemment. Et il faut absolument s'adapter. Et s'adapter parce que j'ai un client qui vient me voir pour vendre un fonds immatériel, justement, une plateforme web ou ce genre de choses, ben il attend de moi autre chose que le client qui vient me voir pour faire une donation. Et donc, on a aujourd'hui l'obligation de s'adapter. S'adapter à la terminologie aussi, parce que quand on vous parle de ces termes techniques de l'environnement web, il faut les comprendre, il faut les connaître, parce que sinon vous risquez de passer à côté de quelque chose. Depuis le mois de septembre 2017, j'ai déjà reçu 3 personnes pour me poser la question de leurs données personnelles après leur décès. Qu'est-ce que va devenir mon compte Facebook une fois que je serai parti ? Il est à parier que dans le temps, notre profession va se transformer, le conseil qu'on va donner à nos clients va se transformer pour s'adapter à la société. Il y a une grande difficulté dans nos professions, c'est la perception de ce qui se passe. Et le problème de cette perception, elle est liée au fait qu'on a toujours grandi dans un cocon. On a grandi dans un cocon qui nous a été offert par notre organisation, organisation qui a été construite par les cotisations professionnelles des notaires. Sauf qu'aujourd'hui, le monde change. Et le monde, il change rapidement. Et nos besoins et les besoins de la clientèle changent tout aussi rapidement. Il faut que les notaires prennent conscience que de développer une plateforme de relations clients, ça coûte énormément d'argent. Il faut avancer. Il faut avancer et surtout prendre le train en marche. Parce que si on est amené à prendre le train une fois qu'il est passé, on prend le risque de tomber sur les rails. Il faut surtout ne pas se laisser dépasser par ce qui arrive et surtout ne pas se laisser enfoncer par cet environnement numérique et cet environnement technologique. Ces outils, c'est une force. Il faut le prendre comme une force, mais par contre, il faut les accueillir, ces outils. Il faut accueillir à la fois les outils et nos partenaires qui nous proposent ces outils et qui nous aident justement à réaliser notre tâche de façon à la fois plus efficace et plus rentable.
nos collaborateurs et les notaires vont devoir se former à ces nouvelles technologies, à l'usage des nouvelles technologies et à ces nouveaux usages de communication, justement. Je crois que là, il ne faut surtout pas laisser le fossé se creuser entre le besoin client et la proposition que peut faire le notaire face à ce besoin. Et il faut aussi que mes confrères acceptent de payer un coût face à une prestation pour justement aller sur quelque chose qui est nouveau dans nos professions. Alors on voit depuis quelques mois se développer un environnement autour du notariat, un environnement entre guillemets privé, qui vient apporter des propositions au notariat pour exercer sa mission et pour mener à bien notamment sa relation client. Il semble important que ces propositions existent. Il est important parce que le notariat seul ne peut pas tout. Je pense que le notariat et les instances notariales doivent se concentrer sur tout ce qui est régalien, sur tout ce qui est obligatoire, sur toutes les actions de la profession, les actions technologiques ou numériques, qui nous permettent de remplir notre mission de service public, et qui nous permettent de rendre l'authenticité. En revanche, sur toutes les autres propositions, telles que la relation client notamment, il semble important que le notariat s'ouvre, pour justement permettre au domaine privé de partager sa compétence, de partager son expérience, et que du coup le notariat puisse bénéficier de cette expérience pour pouvoir évoluer. Les instances sont tout à fait à même de mettre en place des partenariats pour pouvoir avancer sur des sujets qui répondent aux besoins de la profession. Je suis convaincu que sur le court terme, sur un horizon 5 ans, c'est l'acte qui va être métamorphosé. Et je pense que c'est cette façon de rédiger l'acte qui demain va être modifiée, cette façon de produire l'acte qui va être modifiée. On en parlait tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. Effectivement, il y a peut-être un travail à faire sur la simplification de certains process de rédaction d'actes, sur une certaine typologie d'actes, hein, de pouvoir automatiser certaines relations avec le client notamment, que le client soit proactif dans l'élaboration de son acte, et que ces process autour de l'acte puissent être rationalisés et utiliser ces technologies pour être améliorés.